Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo test et découverte du blog Web SEO. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui j'ai le plaisir de te présenter une plateforme SEO pas comme les autres, j'ai nommé VIP SEO. Donc VIP SEO, ça a été créé par Fabien Rinquidel, qui est un consultant SEO français bien connu au sein de la communauté. Et d'ailleurs, il tient un compte Twitter où il est régulièrement actif. Et je te recommande de le suivre si tu t'intéresses au SEO parce que c'est très certainement le meilleur pour effectuer une veille qualitative où on va droit à l'essentiel et où il va commenter les dernières mises à jour de Google par exemple. La plateforme, elle a vu le jour en 2017, mais moi j'ai commencé à l'utiliser seulement en 2018. Alors pour te présenter un petit peu rapidement les possibilités qu'elle offre, à la base c'était pour les clients, pour qu'ils puissent acheter des articles sponsorisés qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, pas sur les autres plateformes de netlinking comme Rocketlinks, Soumettre, SEMJuice, Getfluence, etc. On a d'abord des spots qui sont disponibles auprès de réseaux de sites, de différents SEO, et ça va permettre d'avoir d'excellents liens qu'on ne trouve pas forcément ailleurs à un très bon prix. Donc, c'est une prestation sur mesure. On va passer une commande. Je te montrerai ça dans un instant. Mais donc, ensuite, ça va être Fabien et son équipe qui vont pouvoir établir le plan idéal et tu vas pouvoir obtenir des liens de qualité en fonction voilà, de ton budget, de tes besoins. Si tu souhaites des liens plutôt pas chers ou alors des liens vraiment très très qualitatifs. Donc, tout est possible. Et en 2018, en fait, il a intégré plein de fonctions. On a eu notamment l'intégration d'une marketplace pour pouvoir acheter et vendre des sites. Ça pouvait être autant des sites complets que des noms de domaine. Donc on a retrouvé des sites de niche, on a retrouvé des petits sites qui pourraient faire office de blog thématique, de sites d'actualité pour ensuite vendre des articles sponsorisés par exemple. On peut avoir des boutiques e-commerce. Donc j'ai trouvé cette fonctionnalité très sympa et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint la plateforme. Donc, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, là, on est vraiment sur la toute dernière version de VIP SEO qui est la V3. Il faut savoir que la V1, elle n'était pas aussi attractive, mais j'étais personnellement impressionné par le fait que ça a été développé en ASP.NET, donc qui est un langage web qui est plus trop utilisé de nos jours. C'est plutôt PHP qui va surdominer. Donc, là, on est toujours sur la technologie de Microsoft, donc on doit avoir du. Voilà, les bases HTML, CSS, mais également du C#, ce qui est beaucoup moins commun pour du développement web. Mais en tout cas, c'est extrêmement bien réussi et la plateforme est très agréable à utiliser. Voilà pour la petite parenthèse technique, je trouvais que c'était assez intéressant. Donc là, on va avoir la partie transaction, où on va avoir le petit récapitulatif de ses crédits, de ses factures, des devis. On va avoir le petit historique également des dépôts et des retraits. Voilà, ça c'est pas la peine qu'on rentre trop dans les détails. On a également une partie éditeur, donc ça c'est très intéressant. Quand on édite des sites, maintenant on peut les inscrire directement sur VIP SEO. Ensuite, ça va être validé par Fabien et son équipe. Et ensuite, les clients qui vont commander sur la plateforme, eh bien, ils pourront très bien voilà, retrouver les sites disponibles qui ont été présentés par d'autres éditeurs. Donc ça va vraiment permettre de faciliter le travail à l'équipe de VIP SEO lorsqu'ils passent des commandes. Et en tant qu'éditeur, ça va permettre de gagner plus. Voilà. On a la possibilité voilà, de mettre ces sites sur des plateformes de netlinking populaires comme Rocketlinks. Voilà, comme on l'a vu précédemment, on a aussi Next Level, Soumettre, etc. Mais on peut également le mettre maintenant sur VIP SEO pour multiplier ses chances de vendre des articles sponsorisés. Voilà, donc je te propose qu'on aille jeter un petit coup d'œil voilà, à la partie mes spots. Et là, tu as un petit aperçu. Voilà. On a un petit récap des. Voilà des métriques SEO, voilà le TF, le CF, la visibilité, les mots-clés sur lesquels ils rankent. Voilà ce genre d'informations assez pratiques. Ensuite, si tu souhaites passer une commande, je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, tu vas pouvoir mettre la date de départ, le site à promouvoir ou l'URL du site. Ensuite, tu vas pouvoir sélectionner. Alors, par exemple, on va mettre Web SEO. On va pouvoir sélectionner ces thèmes. Tu verras qu'il y en a pas mal. Et on a même des spots en anglais qui ont été intégrés, donc c'est précisé à chaque fois quand on a EN. Si tu peux faire l'acquisition de spots pas chers, low cost, pour seulement 20 euros, c'est possible. Et là, donc pour mon site, on va s'intéresser aux spots internet et web. Donc on a juste à fermer. Là, tu vas pouvoir choisir les gammes de prix, donc tu vas voir qu'il y en a énormément. On va retrouver voilà, les spots low cost, standard,
Après, on peut monter vraiment très très loin en termes de tarifs. Là, on va avoir les plus gros médias français que tu peux connaître. Tu peux sélectionner le nombre d'articles que tu souhaites à chaque fois, tu passes ta commande et basta. Ensuite, ça va être l'équipe de VIP SEO qui va tout gérer pour toi. Et ensuite, tu recevras un rapport avec tous tes liens. Donc, moyen de paiement possible, CB, PayPal, donc c'est tout ce qu'il y a de plus important. Maintenant, je te propose qu'on aille voir la marketplace. On va retrouver plein de noms de domaines, plein de sites qui sont actuellement disponibles. On va avoir là un récap des métriques. On va voir la date à laquelle ça a été posté, que ça a été validé sur la plateforme. On va avoir le Topical Trust Law, donc ça veut dire les thématiques des backlinks de ce site-là. Et donc tu vas pouvoir faire tes courses. Donc tu vois, il y a le prix qui est disponible là. Tu pourras ensuite aller voir. Ce que je te recommanderais de faire en fait à chaque fois, c'est d'aller voir le site en question. Tu peux cliquer sur la fiche pour aller voir s'il y a le contenu qui est également fourni avec. Et toi, tu vas pouvoir checker également avec un outil SEO comme SEMrush, SEO Observer ou encore Rank Explorer pour voir si le site il se débrouille bien en termes de trafic. Est-ce qu'il reçoit des visiteurs récurrents, naturels? Je pense que c'est assez important. Voilà. Donc en gros, là, il s'agit vraiment des tarifs qui sont fixés par les vendeurs. Ce n'est pas la plateforme VIP SEO qui a qui dit son mot en fait sur le prix de vente. Donc c'est très important qu'en tant qu'acheteur, tu fasses une analyse poussée, que tu voilà, tu prennes pas forcément le prix qu'on te met directement ici. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de vendeurs qui ont tendance à surestimer le prix de vente. C'est à toi d'avoir l'œil averti et de bien choisir justement tes spots. Et puis si tu trouves un site qui t'intéresse vraiment, tu as aussi la possibilité de négocier. Donc tu vas pouvoir proposer ton propre prix. Donc je te recommanderais vivement de constamment négocier, bien sûr de pas forcément casser les prix sans raison, mais proposer un prix qui est juste par rapport potentiellement au revenu du site ou de son potentiel assez facile à mettre en place. Parce que certains, ils peuvent te vendre un site, ils vont te dire que oui, il a le potentiel de générer tant en tant, mais derrière, il y a énormément de choses à faire. Donc, cette personne, normalement, ne devrait pas vendre le prix pour son potentiel. Elle devrait vendre aussi le site pour ce qu'il vaut maintenant. Ça doit être quand même un prix assez raisonnable. Personnellement, j'ai acheté pas mal de sites sur cette plateforme. J'en ai vendu également. Il me semble que j'en ai à peu près une vingtaine. Et donc là, tu peux avoir un aperçu des derniers que j'ai achetés. Hop là. Donc c'était plutôt des gros sites. On a phpcodeur.net qui était à 1 500 € et on a eu kitgraphic.com à 4 300 €. Deux sites qui présentent d'excellentes métriques SEO. Là, on le voit pas, il y a un petit bug hein, au niveau des domaines référents, il c'est pas zéro en fait, c'est beaucoup plus. Et d'ailleurs, ce sont des spots eh bien, voilà, que je propose, bien sûr, sur ma plateforme de netlinking qui est SEO Paper. Voilà, et ensuite, on va retrouver ces domaines en vente ici. Donc actuellement, j'ai un domaine qui est en vente, qui est couchoutlet.fr, de très belles métriques SEO. Mais voilà, au niveau des liens, on a quand même des liens qui sont. Moyen en fait. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa pour du SEO Black Hat. Après, voilà, pour faire un truc propre, je ne recommanderais pas spécialement. Et là, ensuite, on va avoir le récap des sites à livrer ou les sites à réceptionner. Donc, en tout cas, VIP SEO, c'est une super plateforme. Je te la recommande vivement si tu souhaites vendre des articles sponsorisés. Si tu souhaites également acquérir des business existants, ça peut être autant des sites de niche ou encore des sites pour pouvoir faire de la vente de liens, eh bien n'hésite surtout pas à te rendre sur la marketplace. Comme tu l'as vu, il y a vraiment énormément de choix. À ce jour, je ne sais pas s'il y a un petit récap du nombre de sites disponibles. Alors, ça doit être. Voilà, il y en a 815. C'est vraiment énorme. Certainement, ceux qui sont à la fin, ils ont été postés il y a très longtemps. Et je te recommande grandement d'utiliser les filtres en fait. Comme ça, tu mets ton prix max. Par exemple, tu souhaites investir 1 000 €. Si tu souhaites plutôt faire de la vente d'articles sponsor par exemple et que tu veux un site directement opérationnel, tu peux demander par exemple 50 domaines référents. TF, voilà, tu peux dire par exemple 10 au hasard. 10, tu peux préciser la catégorie pour le Topical Trust Law. Et si tu souhaites du contenu avec aussi, tu peux l'activer comme ça. Appliquer. Et voilà, là, donc on va avoir. On a 5 résultats, donc c'est assez sympa. Donc, ça c'est vraiment à creuser. Ils ont été postés donc de juillet à août. On a des prix qui ont l'air d'être assez corrects. C'est des sites qui ont déjà pas mal de backlinks. Et ensuite, derrière, je te recommande de checker s'ils ont du trafic. Et si c'est bien le cas, est-ce que voilà,
tu as un beau potentiel de monétisation. Par exemple, là, si c'est un site sur le badminton, ça va être plutôt soit une boutique e-commerce, dropshipping, voire un site de niche, mais ça ne serait pas un blog pour vendre des articles sponsors. Par contre, on a Malango. Là, typiquement, ça pourrait très bien faire un spot. En fait, ça peut être très, très variable, en fait. Tu peux faire un site de niche, tu peux faire un blog thématique pour vendre des liens. Là, tu es assez tranquille par rapport à ça. Donc voilà pour ce tour d'horizon de VIP SEO. Donc si tu ne connaissais pas encore cette plateforme, eh bien, je te recommande vivement d'aller la rejoindre si tu as besoin de backlinks de qualité ou si tu recherches des business existants. Donc si jamais tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'en faire part. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Allez, ciao!